Si tu veux rater aucune de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à surtout cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. N'oublie pas de lâcher un petit like pour soutenir la chaîne. Bonne vidéo. Harry Potter, c'est LBJ. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec cette équipe en match simple en ligne, donc on y va. Bon, changement de programme, je vais vous dire tout ça. On va aller en qualification Fut Champions. Déjà, ça me permettra de vous faire, de vous proposer déjà des plus beaux contenus, je pense. Et ensuite de ça, au moins, ça va pas bugger parce que je trouve. Hein, non, mais même c'est sûr. Genre, à mon avis, vu qu'il y a largement plus d'adversaires, ben. C'est plus facile d'avoir une meilleure connexion et du coup, ben, c'est mieux. Ah ouais, son équipe, je m'en bats les couilles. Même pas, j'ai regardé. Mais j'ai vu qu'elle était nulle. Ok, même pas joué, il a réussi à perdre la balle. Bien joué, mais... bien joué, mec. Pour clôturer, promis, après j'en parle plus, ce petit passage élection, je nous ai fait une petite sélection de vidéos. Spéciale élection, une fois de plus. Le deuxième épisode, le retour de Philippe Poutou qui, malheureusement, notre plus grande surprise, n'a pas passé le second tour. De cette élection présidentielle. Donc voilà, il nous a sorti une nouvelle vidéo. Suivez-le sur sa chaîne YouTube. Franchement, il fait du bon travail. Il a pas beaucoup d'abonnés en plus, c'est dommage. Ah, il y a penalty, pardon. J'ai cru que j'avais fait une faute ou que j'étais hors jeu. Ok, donc je vais faire tirer ce bon vieux Antoine Griezmann et ensuite je vous balance la vidéo. Et voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Bon, les gars. Pour cette magnifique vidéo, je suis obligé de vous faire un petit live commentary, comme on dit. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir cette magnifique vidéo. Le CV n'est pas terrible. Hein. Heureusement que vous avez d'autres arguments. En gros, tout simplement, c'est une vidéo contre le sexisme, on peut dire. Tout type de discrimination contre les femmes. Du coup, en fait, on a un recruteur, un employeur qui va enchaîner tout ce qui est sexiste possible, tout. Plein de remarques, plein de trucs. Enfin bref, je vous laisse découvrir. Pardon ? Non, je rigole. Attention. On peut rire tout de même. Voilà. Oh, les femmes et le sens de l'humour. Première punchline. Pourquoi vous avez arrêté vos études si tôt ? Bah, j'ai un master quand même. Ah oui ? Oh, c'est pas tout de même. Donc là, petit moment un petit peu chiant, mais un petit peu informatif, on va dire. Alors tellement cette vidéo, c'est n'importe quoi. Alors moi, je te dis, ce qu'on nous dit aujourd'hui, à partir du moment où t'as un master, donc c'est bac plus 5, à un moment où tu as fait plus que bac plus 5, et en fait tu coûtes trop cher à l'employeur. Du coup, on ne veut pas de toi pour travailler, parce que tu coûtes trop cher, tout simplement parce que ton salaire est trop élevé. Voilà, et là, il dit exactement l'inverse, bien joué. Les femmes et l'argent, vous n'avez que ça petite, à la bouche. Petite phrase vous de plus. Quoi ce soir? Non, parce qu'on pourrait reparler de tout ça dans une ambiance plus détendue. Donc voilà. Donc là, moment très important de la vidéo, il lui propose d'aller boire un verre. Bien entendu, voilà, donc c'est un truc en plus, quoi, pour montrer ce qui est fait aux femmes. Moment très important à retenir. Vous m'avez l'air d'être une fille gentille. Vous prenez la pilule? Non, parce que je me suis déjà fait avoir par ma femme. Et moi, IVG, je suis content. Donc là, on a Philippe Poutou, on sait pas d'où il sort. Il arrive, elle fait ah ben bravo, c'est super ça. C'est ce type là. On en parle. Voilà. Et donc, oh, vous êtes Philippe Poutou, l'ouvrier qui se présente aux élections présidentielles, ben dis donc. On n'est pas. Il y en a marre de cette société. Voilà, donc là, elle va dire il y en a marre de ça, il y en a marre de ça, il faudrait qu'il y ait ça. Et à chaque fois, Philippe Poutou, il dit bah tiens, bah c'est dans mon programme. Bah, quelle coïncidence. Machiste. Tu connais un candidat voilà. Qui... Non, mais tu connais toi un candidat qui a tout ça dans son programme? Par hasard, hein? Par pur hasard, vraiment. Hein. Tout ça dans son programme? Oui, bien sûr, nous. Mais il est super bien, votre programme. Bah ouais, il est super, votre programme. Et là, attention. Regardez, écoutez bien ça. Merci. Bah, ça te dit d'aller manger un morceau? Il paraît qu'il y a un resto très sympa dans le coin. Bah oui, carrément, ouais. Bah oui, carrément, ouais. Bah oui, carrément, ouais. Donc là... En fait, dans la vidéo, on reproche au mec. Donc oui, non, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut lui reprocher ça. En mode, oui, il est un petit peu chaud, il y a un resto très sympa dans le coin, ça vous dit, on va là-bas et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? La meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Philippe Poutou, elle résiste pas, elle fait, ouais, il y a un resto très sympa dans le coin. Franchement, je sais pas qui c'est qui a fait ces vidéos. Hein. Mais bien joué, les mecs.
Je sais pas qu'est-ce qui vous est passé par la tête, mais bien joué, hein. Malabaise. C'est horrible comme vidéo, mais le pire, je pense, le pire, au moment où il lui fait, ouais, ça vous dirait d'aller boire un verre, tout ça, bon, tu vois, c'est choquant, machin, tout ça. Et le pire, en tout ça, c'est qu'à la fin, la meuf, elle lui fait, ah, ça vous dit, on va boire un verre. Mon Dieu, quoi, c'est abusé. Dans la même vidéo, c'est-à-dire les mêmes personnes qui ont écrit la vidéo, donc... Et je sais pas, enfin, sois pas con, réfléchis, gamin. Je vais passer rapidement, mais je suis fan aussi. C'est Jean Lassalle, putain de sa mère, déjà. Déjà, il a un nom de famille de youtubeur, le con. Là, il se gave. Putain, non, 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 ça parce que je fais des blagues, ça, c'est bon. Mais non, t'es pas sérieux. Fallait la mettre à petit rat-terre, là, en croisée, petit rat-terre, tu connais. Je vais vous dire. Dans la prochaine miniature, il y aura une flèche rouge. J'ai trop vu d'enculer le faire, donc je me sens obligé de le faire. Puis... Oh non ! Ah, je l'ai bien fait, hein. Ah non, c'est le Gold qui fait un beau truc. J'aurais dû lui tirer entre les cuisses. Toujours tirer entre les cuisses, c'est important. Quelle que soit la situation, n'oubliez pas. Visez bien. Et Dieu... Non, pas Dieu, mais quelqu'un vous le rendra, vous inquiétez pas. C'est pas normal ça par contre. Parce que je lui ai dit d'envoyer une putain de reprise de volée de gros beau gosse, même pas il me l'a faite. Oh, oh, je l'ai bu. Allez, lucarne. Mais Lulu. Oh. Allez hop. Allez hop. Mais c'est pas normal. Mais nique lui sa gueule. Mais un but quoi. Bien joué, Grisou. J'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas. Voilà, l'abonnement, c'est super important. Comme je vous dis, c'est vraiment la récompense de mon travail. Alors, n'hésitez pas à partager pour que je tienne des abonnés. Voilà. C'était le message du cœur, mais surtout le message de la détresse. Merci à tous. C'était JetBJ. Bon après-midi. Et bon, sorry. Allez, bisous. Là, je suis con, putain. Maman m'a dit ne trahis pas ton éducation. Voilà pour la famille dans la vie, c'est une obligation. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme un mauvais garçon. Yeah.